Le Hot Wheels Bone Shaker. Ceux qui collectionnent les miniatures, je pense que vous le connaissez. C'est un peu petit, non, à montrer à la caméra d'aussi loin. On va essayer celui-là. Mega Constructs Hot Wheels Bone Shaker. Un peu plus gros, un peu plus détaillé, et surtout un truc à construire. Et la touche finale, le Bone Shaker miniature sur son support. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est la première vidéo de l'année, donc pour commencer, ben, bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2022 à toutes et à tous. Alors, vous l'aurez compris, je pense que je vais vous parler du Bone Shaker Mega Constructs Hot Wheels.
Alors, je ne vais pas revenir sur l'extérieur, je vais vous parler principalement de l'intérieur. Avec le petit clip que je viens de passer, je pense que l'extérieur, vous le connaissez maintenant. Alors, je vais parler un peu de l'expérience de construction et bien sûr détailler l'intérieur et vous donner mon ressenti sur ce set concurrent de Lego. On va commencer la revue par la notice, comme d'hab, vite fait. Donc on a l'illustration du bone shaker, le petit bone shaker fourni avec en cadeau. Mega Hot Wheels Building Set, bone shaker. Première page, une petite bio sur Larry Wood, le designer du bone shaker, des croquis du bone shaker. Ensuite, évidemment, toutes les étapes. Au milieu de la notice, quelque chose de plutôt cool, des petites illustrations, voilà, du bone shaker. Sans compter celle-ci, qui ferait un superbe poster en fait, hein. Au bout de la notice, la liste des pièces. Et au dos de la notice, voilà, le modèle terminé avec quelques petits détails qu'on peut trouver. Et bien sûr, toujours notre petit bone shaker noir. Et elle est sympa, la petite plaque sur le petit support. Topographié Hot Wheels, Bone Shaker, design par Larry Wood. C'est toujours aussi sympa ces petits Bone Shaker. En noir, il est particulièrement cool, hein. Ça fait bien ressortir le chrome. Les roues avec des jantes bleues. Liseré bleu sur les portes. La petite tête de mort avec les os, le petit bone shaker à l'arrière, bien sûr la tête de mort, le gros moteur avec les 8 entrées d'air et les 8 pots d'échappement, le réservoir à l'arrière. L'intérieur chromé. Ouais, beau petit modèle de bone shaker en fait qu'ils nous ont filé avec. Hein. Alors, la notice, il y a des points qui sont sympas. Quand il y a plusieurs pièces à assembler, voilà, on a plusieurs couleurs qui peuvent apparaître. Des petites flèches, voilà, des petits marquages. Ici, par exemple, voilà, on a même carrément trois couleurs pour nous indiquer où vont les pièces. Alors, chose que je trouve dommage, comme là, par exemple, on commence le sachet 2. Contrairement à ce qu'on a chez Lego, on n'a pas au moins une petite illustration de ce qu'on doit obtenir. Donc, en fait, on sait qu'on va utiliser ici le sachet 2. Et on construit sans savoir à quoi on aboutira. Alors les techniques de construction, bon, ça reste du classique. Il y a énormément d'empilage de plates et de différentes pièces. Hein. Dans l'ensemble, la notice est relativement claire. À part sur certains points. Hein. Et malheureusement, je suis tombé dans le piège. Il y a une des étapes, ça devait être à peu près par là, au niveau du sachet 2. C'était pas très très clair sur toute la partie qu'on peut voir ici à l'avant. Et malheureusement, je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai faite. Eh bien, quand j'étais. Mais carrément. Oh, je ne sais plus exactement, mais j'étais bien au sachet par ici. Hein. Donc ça fait quoi? Le sachet 8, je crois, ou un truc comme ça. Donc
une erreur au sachet 2 qui est captable qu'au sachet 8, donc ça fait beaucoup. Parce que c'est un peu le problème, voilà, de cette construction. C'est qu'on construit un peu n'importe où. On construit une partie à l'avant, une partie à l'arrière, une partie au milieu. On n'a pas un gros bloc type, voilà, je termine tout le châssis, je termine tout l'intérieur, je termine toute la benne, je termine toute la cabine. Non, en fait, le problème qu'il y a, c'est avec un sachet, on attaque devant, on attaque au milieu, on attaque derrière, donc il y a un peu de quoi se perdre. Ceci dit, l'expérience de construction en elle-même n'est pas dégueulasse, hein. Mais c'est parfois un peu déroutant. Après, l'avantage qu'il y a avec cette marque, avec Mega Construx, contrairement à ce que j'ai déjà eu avec des Sluban, c'est que les constructions sont solides. Je veux dire, toutes les parties, par exemple ici sur le côté de la carrosserie, lorsqu'on empile les pièces, ça tient ensemble. Il n'y a pas de risque que, voilà, quand on rajoute une pièce, qu'il y ait tout qui se déboîte. Allez, on passe au gros bébé. Monté sur 4 roues qui sont des méta-éléments, en fait. C'est vendu un bloc, roue caoutchouc, flanc blanc, la jante en dur, bien sûr. Alors, deux tailles de roues différentes entre l'avant et l'arrière. Les avant sont un peu plus petites que les roues arrière au niveau du diamètre. Ce qui donne cet effet de châssis qui penche vers l'avant. Alors que sans les roues, il est parfaitement plat. Ce qui est une caractéristique typique des Hot Rod. Évidemment, on reconnaît bien le look Hot Rod. Tout comme le Bunshaker. Mini, hein, c'est une base d'un petit pick-up genre années 20-30, un genre de Ford de ces années-là, avec le toit coupé, donc faut pas être très grand pour rentrer dans ce genre de véhicule. Les gros pneus, alors on enlève tout ce qui est carrosserie inutile, c'est-à-dire ben, les ailes, entre autres. Hot Rod typique, on cale un gros V8 à l'avant. Donc bon, on peut enlever le capot assez facilement. Et on a un bon gros V8. Avec les courroies qui tournent. Le petit ventilo, les entrées d'air sur le dessus, les culasses pour les 4 cylindres de part et d'autre, et les 4 sorties d'échappement libres. Bon, l'arrière est simple, bon, ça à la limite, c'est pas bien grave vu que c'est contre la cloison pare-feu. Mais le moteur, voilà, a beaucoup de détails. Hein. Presque un peu dommage de le cacher sous le capot. Alors évidemment, l'avant, la tête de mort caractéristique du Bunshaker, qui est aussi une méta-pièce. Les phares, avec les emplacements qui ressemblent à des doigts. Phare jaune, translucide. Feu arrière, rouge, translucide. Typique des véhicules américains, des feux rouges à l'arrière. Petit ensemble de pièces ici, à l'arrière sous la plaque pour faire du détail, une construction derrière la roue pour donner l'illusion des suspensions. Les portières peuvent s'ouvrir pour laisser apparaître l'intérieur. Alors, chose qui est cool, absolument aucun stickers sur ce véhicule, uniquement des pièces tampographiées. Que ce soit pour l'extérieur ou pour l'intérieur. L'intérieur qu'on peut découvrir bien plus facilement en enlevant le toit. Alors le toit qui tient,
simplement sur deux tenons, donc un toit amovible très facilement. Le Bone Shaker existe chez Hot Wheels en version découvrable et en version couverte. Donc pour celui-ci, on peut faire pareil. Hein. On peut enlever le toit et découvrir alors, tout l'intérieur. Avec le tableau de bord qui comprend compteur, contour, jauge à essence, différents cadrans entièrement tempographiés. Derrière le levier de vitesse en forme de crâne. Alors ça, je l'adore. Hein. Il est vraiment sympa, le levier de vitesse en forme de crâne. Alors, surélevé à mort, hein, c'est un peu une habitude sur les hot rods. On a un écran, genre écran GPS, écran tactile, tempographié. Un volant réglable en hauteur. Alors, le levier de vitesse qu'on peut manipuler. Nous avons également à l'intérieur, entre les sièges, les porte-gobelets et le frein à main qui lui aussi est fonctionnel. On a les sièges. Alors franchement, ils ont un très bel aspect, les sièges. J'adore la couleur qu'ils ont utilisée. Je trouve que ça se marie parfaitement bien avec le rouge de la carrosserie. Alors bien détaillé aussi. Avec la petite tempo BS sur le repose-tête. Petit souci du détail qui va bien. Évidemment, au poste de conduite, on a le pédalier, nos trois pédales. Alors, façon véhicule ancien, la pédale d'accélérateur qui n'est pas une pédale suspendue, mais une pédale fixée au sol. À l'arrière, dans la benne, on retrouve une petite caisse à outils. On retrouve également le réservoir qui ressemble un peu à un truc genre fût de bière avec les conduites d'essence. Alors j'aime bien parce que ça reprend l'idée justement du hot rod qui est un peu bricolé avec tout ce qu'on trouve, hein, un peu tout et n'importe quoi. Hein, et souvent, voilà. Un vieux baril, un fût de bière servait de réservoir sur ce genre de véhicule. Le tableau de bord qui est bien foutu puisqu'il reprend les couleurs des sièges. On a une harmonie de couleurs là-dedans. Je trouve que ça va très très bien. C'est juste un peu dommage que lorsque le toit et les portes sont fermées, on ne le voit pas suffisamment. Maintenant, rien n'empêche d'alléger encore le véhicule. Hein. Les portes se démontent extrêmement facilement. Dans ce cas, on garde un peu plus de visibilité sur l'habitacle. Idem pour celui qui voudrait laisser le gros V8 un peu plus visible. Voilà, le capot il tient sur 4 tenons. Hein. Donc très facile de faire apparaître un peu plus les détails du véhicule. Alors j'en pense quoi de ce truc? Déjà le prix, 54 €. C'est largement correct pour un set qui fait 900 pièces. À ce niveau-là, je trouve que voilà, c'est plus que correct. En plus, voilà, il fait quand même une belle taille. Hein. C'est un bel objet à exposer. Hein. Alors, énormément de détails, que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Gros point positif, aucun stickers,
uniquement des pièces tampographiées lorsqu'il le faut. Petit plus, le petit support avec la petite Hot Wheels. En plus, c'est un modèle que je n'avais pas. J'ai des bone shakers, j'ai pas cette version, donc plutôt content d'avoir en plus ce bone shaker. Donc petit plus, alors ça fait un cadeau à quoi, 3-4 euros dans la boîte. Enfin cadeau, je sais pas, je pense qu'on le paye avec. Mais c'est toujours sympa. Hein. La construction, comme je l'ai dit, il y a à faire gaffe. Il y a des détails, des étapes où c'est pas toujours très clair. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir rattraper l'erreur sans devoir tout démonter. Mais c'est une chose à laquelle il faut faire attention. La construction en elle-même est pas spécialement extraordinaire. Il n'y a pas de vraie technique innovante de construction, c'est principalement de l'assemblage de plates et de l'empilage de briques. Malgré tout, ça reste assez sympa à faire. Les étapes que j'ai bien appréciées, c'est le moteur, c'est l'intérieur. Les petits détails par-ci par-là sur l'extérieur, à l'arrière, au niveau de la benne. Les amortisseurs, des trucs comme ça, j'aime bien, quoi. La métapièce pour la tête de mort. Il y en a qui vont peut-être pas aimer. Moi, au contraire, moi je trouve ça une très bonne idée. Hein. Ça évite d'avoir un truc tout moche. Parce que faire des arrondis, des machins, une belle pièce moulée, c'est toujours mieux. Les tenons un peu partout. Ça va, c'est pas dérangeant. La couleur est cool, l'ensemble couleur, voilà, franchement top. Les points négatifs, alors je le répète, attention dans la notice qui n'est pas toujours très claire. La répétition de montage. Mais voilà, 54 euros et on a ça. Il y a de quoi tenir une après-midi, voilà, 5 heures j'ai mis pour construire cet engin. Reste à lui trouver une place. En tout cas, si vous êtes amateur de Lego, de briques de construction, que vous êtes amateur de véhicules, moi, je trouve que c'est quelque chose à posséder. Voilà. Ça se mettra très bien sur une étagère. Alors, faut un peu de place, certes, mais c'est quelque chose de plutôt cool, que ce soit adulte ou gamin. Oh, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est assez longue comme ça, hein. Il n'y a pas plus à rajouter. Comme d'hab, vous me laissez un petit pouce en l'air de préférence si la vidéo vous a plu. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a un bouton abonnement, vous n'oubliez pas la petite clochette. Hein. Les commentaires sont ouverts, moi je réponds toujours avec plaisir, hein, ça changera pas. Et puis, ma foi, rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!